On ne peut ignorer aujourd'hui le mouvement woke et la cancel culture. Alors que le monde vacille, que des valeurs nationales séculaires comme la nécrophilie, la flagellation ou la coprophagie sont aujourd'hui contestées, sans fin, il nous faut dénoncer les discriminations dont ont été victimes les artistes noirs. Toutefois, si on critique beaucoup l'esclavage, sans lui, nous n'aurions ni Otis Redding, ni Wilson Pickett, ni l'inverti Little Richard, dont les grands-parents, tous trois congolais, avaient été vendus comme esclaves aux USA au début du siècle. Alors oui, luttons pour dénoncer les falsifications de l'histoire. Passons l'éponge sur les désagréments de l'esclavage pour en faire reconnaître les bons côtés. Je le proclame haut et fort, les excellents sont un groupe de woke. C'était un jour du 3 septembre, je m'en souviens, j'étais dans ma chambre, oh yeah. Parce que ce jour-là, maman m'a tout révélé. Je vais dire la vérité, mon fils, et d'où te vient ton sens du rythme? Un soir que j'étais stone dans une boîte, j'ai couché avec Charlie Watts. Papa était un Rolling Stone. Allez debout. Pas du tout un voyou bien élevé. Quand il m'a galanché, yeah, yeah, ses baguettes il balayait. Papa était un Rolling Stone. Pas du tout un voyou effrangé. Il t'a déshérité. Papa était un Rolling Stone. Papa était un Rolling Stone. Allez, secouez-vous le cul un peu. Yeah. Papa était un Rolling Stone. Yeah, 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 yeah. Oh, it was a Rolling Stone, my daddy. Papa était un Rolling Stone. It was Charlie Watts, my daddy, yeah. The Rolling Stone. Papa était un Rolling Stone. Come on, come on, come on, come on, come on now, yeah, let's see. Papa was a Rolling Stone. Woo. Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah. Daddy was a Rolling Stone. C'est un Rolling Stone. Merci à tous.